Messieurs, dames, bonjour, Lucas Studio. Bonjour, bonsoir même. Bonsoir, c'est vrai, on est en pleine nuit parce qu'il y a quelques semaines, on avait cambriolé Maison Grise. On a juste récupéré un tableau et même pas, on s'est fait arrêter deux secondes. On s'est fait arrêter très vite. Cette fois, on fait le volume de la vengeance. On est de la sécurité, la preuve. Non, t'as pas assez de biceps pour quitter. Tu veux mettre autour du cou, autour du genou, quelque part Même là, c'est pas assez large. En gros, on est dans un appart qu'on a loué, qu'on ne connaît pas. C'est un mini château, une sorte de manoir en plein Paris, mais vraiment au centre de Paris. Et nous, on est mecs de la sécurité. Et peut-être qu'on va se faire cambrioler un de ces soirs, on sait pas. Ça fait longtemps qu'on bosse ici. On n'aurait pas de bol quand même. Pile le soir du tournage. Oh, ça a vraiment pas de bol quoi. Pour ça, on a 6 caméras de surveillance. Donc les caméras de surveillance ressembleront à ça. Et il y a des caméras en plus pour la vidéo. Mais nous, on les voit pas. Nous, on a que 6 caméras de surveillance. Dehors, il y a peut-être des voleurs qui rôdent. Ce serait fou quand même. Ce serait pas de chance, mais non. Peut-être dans une tenue en collant un petit peu ridicule. Bonsoir à tous. On chuchote parce qu'on est des cambrioleurs. Très expérimentés. Ouais, ouais, tout à fait. On a plus de 10-15 ans de cambriole. 20 personnes. Pardon, un peu plus expérimentés. Et si en plus il s'agit de personnes qu'on connaît, alors là on a vraiment pas de bol. Hein. Ah oui, pardon. C'est vrai qu'on sait même pas. C'est nous, hein. C'est Benjamin. Moi, voilà. C'est Camille. Le propriétaire a dit faites attention. Parce que quand même, on a appelé un mec pour lui dire on va louer votre appart pour le cambrioler. Dans cette vidéo, il y a 10 objets à voler. Ces objets, nous, on les connaît pas. Par contre, Benjamin les connaît. Donc il va vous les citer comme ça, vous aurez les références. Donc regardez ce qui va se passer. On a ici le plan des choses à voler. On doit voler le chandelier. Un chandelier, ouais. PQ. Non mais tu sais, je suis un peu malade en ce moment. À ce moment-là, tu mets pas une combi qui se met en une seule fois complètement moulante si t'es malade. Ok, un ça. On doit voler un ça. Ouais, du fer forgé quoi. Un plan de Paris. Parce que nous, on aime bien cambrioler. Bah, moi, c'est la première fois que je viens. Un peu visiter, ouais, ça peut être sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadre? Une statuette. Il y a également une rose, il y a un miroir. Des pots en verre. Il y a des pots en verre et il y a un pins Robert et Louise. Très technique celui-là. Nous, on connaît très peu l'appartement. On vient d'arriver il y a à peine une heure. Donc, on va faire un petit tour quand même pour que vous voyez un peu à quoi ressemble l'appartement. Ah, alors, les petites rondes matinales. Ici, on a une première petite chambre. Super en tout cas. Ça te dérange genre de surveiller tout seul? Attends, j'ai perdu l'équilibre. J'ai quand même t'aider. Oh, c'est dur. Ouais, parce que comme il n'y a jamais de cambriolage, on s'ennuie un petit peu. Du coup, on a bien sympathisé avec Lucas. Oh, mais non, en fait, je te connais pas. En fait. Si, on a bien sympathisé. Regarde, t'as vu mon biceps? Non, pas du tout. Couloir principal, c'est aussi l'entrée. Donc si des voleurs rentrent, c'est par ici. Ça, c'est qui ça? Ici, c'est Guillaume Apollinaire de Godefroy. Hyper cool. Ça, c'est un miroir qui te permet juste de surveiller si t'as bien fermé ton ta braguette, c'est incroyable. Avant de partir au taf, ok, c'est bon, on y va. Alors là, la grande chambre, venez voir ça parce qu'elle est particulière. On est d'accord que c'est une ambiance château, non? Ah oui, totalement. Ah, non, oh la perte d'équilibre! Oh, tu tiens parfaitement sur tes jambes, c'est pas possible. Et regarde. Là, t'as une chaise pour regarder quelqu'un dormir. Ouais, oh, ou quelqu'un. Faire plus quoi. Ici ensuite, bah on descend. Il y a un étage de moins 1. Ici on a une salle de bain. C'est pas une pièce qu'on surveille, il y a rien à voler ici. Mais qui a le courage parmi vous hein, d'aller aux toilettes là-bas? Alors sûrement pas moi. Hein. Mais aller dans au fond du couloir là, derrière des rats qui passent. Et ici t'as pas une prison? Il y a pas un mec là qui est enfermé encore? Depuis 10 ans minimum. Si on les arrête, on les met là, on les met dans cette prison. Là c'est même pas des chiottes, c'est la punition, tu sais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de handicap. Exemple, c'est qu'on a, comme vous le voyez, des espèces de faisceaux laser, des détecteurs de mouvement. Là, on arrive dans le salon, Lucas. Si un voleur rentre, ici, il y a un faisceau, un rayon de sécurité. C'est-à-dire que si on passe comme ça sans faire exprès. Oh là là, la dinguerie. Ça, c'est nous qui l'avons installé. Hein. Mais fais gaffe, tu restes devant. Ah oui, c'est vrai. Regarde ce coin là. Regarde le tas de bouquins qu'il y a jusqu'au bout là. Comment tu vas aller chercher un livre là-bas? Tu vas escalader d'autres livres? Non, mais c'est la folie. Hein. Mais rien que là, il y a de quoi faire une vidéo cache-cache. Et dernière pièce, cuisine pas mal. Ah ouais, très sympa. Imagine, là, t'entends un enfant qui chante. La visite est faite, Lucas. On va pouvoir sécuriser tout ça. Le but, évidemment, du jeu, c'est que si cambrioleurs il y a, ils doivent repartir avec les objets de la maison. Si on les arrête avant, on a gagné. S'ils sortent sans qu'on les arrête, ils ont gagné. On va les arrêter avant, bien sûr, on va tout donner. Par contre, on va peut-être les voir. On va peut-être leur courir après. Mais physiquement, est-ce qu'on va les arrêter? Impossible, bien sûr que non. À part s'ils sont gentils et coopératifs. Eh ben, c'est parti. On va dans notre petite pièce de sécurité. On est prêt. Vive le cambriolage. Enfin, pas non, mais nous, oui, mais bref. Allez. Les pires cambrioleurs avec la police juste derrière. J'ai toujours une parade. Nous sommes des touristes. Ah, je vais acheter une baguette de pain. Prendrions-nous pas du seigle? Oui, il y a 23h30. Camille, c'est bon. Vas-y. C'est pas discret, on est à l'entrée de la part. Attends, j'en peux plus de ça, je suis désolé. Même s'ils me reconnaissent, à un moment donné, ouais, c'est chiant. Et ben, grosse nuit de sécurité hein, qui va commencer, mon petit Lucas. Je te préviens d'un faux raccord, je l'avais ici et maintenant il est à mon genou. Mais déjà, ton short, c'est un faux raccord dans cette vidéo. C'est vrai aussi. Oh, les caméras, avec des caméras. C'est une technique thaïlandaise. Je me suis fait très très. On va commencer par les chambres. On sait que c'est tranquille parce qu'on a piraté les micros de la salle de surveillance. Les Tokiwoki ont été piratés, ce qui fait qu'on entend ce que eux surveillent. Eux ne nous entendent pas, mais si par exemple ils disent on va vérifier telle chambre,
On sait tout. Oh, t'as déjà un truc. Vas-y, mets-le dans le sac. Oh, oh, Ben. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas rien. Bon, on va rester un peu en bas. On va aller cuisine, tiens. Ils sont dans la cuisine. Tout se passe bien. Et par contre, faut peut-être qu'on retienne un peu les objets. Vaisselle pas faite. Ouais. Un verre, une cuillère. Déjà, ça, c'est intolérable. Bah, tu veux pas descendre l'affaire? Bon, c'est tolérable. Imagine, là, on voit un mec sortir de là qu'on connaît pas. Non, genre une femme habillée en robe blanche déchirée. Oh, ma phobie de jeunesse. Camille, Cassie, la statue. J'ai pas mon sac. Tiens, ils sont encore en bas. Allez, on va monter un petit peu en haut, tiens. Non, pas là, pas. On va aller couloir en haut, tiens. Personne qui est en train de vérifier si la braguette est bien fermée. Quand même, dans une pièce où il y a des petits lits, tu veux pas plutôt qu'on fasse une petite sieste? Mais j'allais te le demander immédiatement. Ça, c'est le meilleur taf du monde, là. Fais-moi une petite sieste. Si un cambrioleur, on s'en fout, c'est pas notre problème. On est sous-payé, de toute façon. T'es payé, toi? Viens, on fait un pierre feuille ciseaux pour savoir qui va faire une ronde. Vas-y. 3, 2, 1. 3, 2 rondes. Ok. C'est pas moi, la ronde, c'est pas. C'est toi qui fais la ronde. Ah, mais j'aime pas cette maison, je suis sûr, il y a des sorcières de partout, là, des gens emprisonnés de partout. L'alarme est juste ici. Il va falloir passer stratégiquement en rampant en sol. Bon, allez, peut-être y aller comme dans le doute. Il arrive. Je vois un lit ici, donc je pense que je vais faire une petite ronde sur le lit, ça te dérange pas? Ça s'appelle une sieste. Ok, super, bon, on va tester ça alors. Camille, le corps des chiens. Oh! Camille! Mais le bruit que tu fais à Camille! On prend que ça! Tu vas en bas, Lucas, ou pas? Ouais, Pierre, en tout cas, je te confirme, il n'y a vraiment aucun cambrioleur sur le lit, hein. Ça c'est sûr et certain. Vas-y, reviens, parce que ta ronde, j'ai l'impression qu'elle sert à rien du tout là. T'es sûr de ça? Allez, je vais aller voir dans le salon! Ah, mais on est dans le salon! Mais reprends ton truc, Camille! Lucas, dans le salon, il n'y a pas un truc sur la table? Non, il y a un truc sur la chaise aussi, non? Oui, le PQ! Il nous faut du PQ! Je pars en ronde. Ouais, vas-y, t'as raison. En plus, il y a des malthésaires à finir là. Ok, caméra salon, vérifie que tout va bien. Tu veux une infusion? T'es vert? Ouais, chaud. Je suis chaud, ouais. C'est le pire cambrioleur de l'histoire. Pierre, tout se passe bien de ton côté? Non. Lucas. Lucas Coulin, mon frère. Allez, viens, on bouge. Viens, la prochaine fois, on vole des trucs de valeur. On est tout pourri. J'ai pleuré. Incroyable. J'ai des larmes qui coulent. Je vais les attraper juste pour les féliciter. Il est derrière les cambrioleurs ici. Moi, je vais voir en bas parce que c'est quand même suspect cette histoire. Surtout avec une cagoule qui traîne quelque part. Il y a tout qui fait. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été bougées. Après, je suis plus sûr sur la table. Je sais qu'il y avait un truc, mais... Pierre, je passe dans la petite chambre, ok? Ils sont dans la chambre. Quelqu'un fait quelqu'un. C'est le pire cambriolage. Tu vois quelque chose, Pierre Cross? Petite chambre, y'a rien. Bon, par contre, cette cagoule, elle est suspecte. Il est tellement chelou cet appart que c'est peut-être pas un voleur, c'est peut-être juste un déguisement, parce que ça me paraît être un manoir un peu sexuel bizarre. Ça aurait même été bizarre qu'il n'y ait pas de cagoule, tu vois, pour te dire. Vas-y, alors, on va regarder la grande chambre, là. La grande chambre. Attends, c'est la roule. Attends, y'a rien qui a disparu. Y'avait pas un pli ici? Ce serait des cambrioleurs qui replieraient un petit peu les draps. Ils ont pas encore fait la vaisselle en bas, s'ils pouvaient nous écouter là-dessus. Ah, peut-être ils ont fait la vaisselle. Viens, regardez. Ils sont dans la cuisine et il nous manque 4 objets là. Il nous manque des pins et tout. Oh non. Ils ont pas fait la vaisselle. S'ils le volent, on n'a pas besoin de faire la vaisselle du coup. Si vous nous entendez, voler la vaisselle! Mais pourquoi ils gueulent comme des porcs? Attends, toilette, on n'est jamais allé voir toilette. Ça se trouve, il se passe des trucs. Oh, c'est glauque. C'est si flippant. C'est glauque. Camille, on reste planqué ici ou pas? Qu'on aille voler les objets manquants là. Il nous manque 4. T'es pas discret. On va dans la deuxième chambre. Vas-y, il se passe rien dans les toilettes là. On va aller à salon. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Le miroir, il est là. Oui. Si on va arriver au salon. On est au salon. On va aller dans le couloir principal. On va les attraper. Absolument. Aucun bruit non plus. Il y a clairement un bruit là. Il s'est clairement passé une chose. J'ai cassé un truc. Qui va? Pierre, vite, c'est... Allez, tu vas. Imagine, c'est des mecs hyper organisés. Benjamin. Ouais. J'ai détruit un truc. T'as détruit quoi? Je sais pas, c'était une tringle à rideau. Imagine, c'est une bande organisée depuis des années qui prépare ce cambriolage. Tu crois vraiment que c'est moi qui vais t'aider? Rade-moi là. Vas-y, viens pas avec moi. Pierre, si tu reviens pas vivant, je peux finir les Maltesers. Là, je suis déterminé là. Ça me fait pas peur du tout ici. Essaye de quand même rader dans la grande chambre, voir s'il y a pas un truc dans le derrière le mur, tu sais, on voit pas sur la caméra ou sous le lit, quelque chose comme ça. Attends, je vais juste checker mon. Lucas? Ouais.
Le miroir baguette. Ouais, alors qu'elle était ouverte? Non, il n'y a plus le miroir baguette. Lucas, j'ai besoin d'enfant, viens, c'est sûr, viens. Oh non, comment faire pour partir au taf? Moi, j'y vais plus. Hein. Bah, vas-y, check ma baguette. T'es obligé de checker ma baguette du coup? Non, elle est fermée. Viens, viens, maintenant, on va. Cambrioleur! Si vous êtes là, dites, ouais, je suis un cambrioleur et je suis là. Je lève le lit et tu regardes, ok? Vas-y. Pas besoin, si vous êtes gentil, vous pouvez y aller, hein. T'arrives pas à lever le lit, en fait, c'est le problème. Tu me parles que je me penche, tout simplement. Est-ce qu'on descendrait pas, Pierre? Je te propose de prendre l'escalier dès maintenant. Imagine, ils sont cachés là dans le WC qu'on a dit. Ah, moi, je vais pas, je les laisse tranquille, hein. Oula, y'a du bruit là. Y'a un cambrioleur en haut là. T'es sûr que c'est les cambrioleurs et pas la sorcière là? En vrai, si vous êtes un fantôme, on ne vous veut aucun mal. Ah, surtout pas moi. Nous, c'est les cambrioleurs juste. Il se passe quoi là? Oh, j'ai si peur. C'est quoi ça? Y'a un sac avec un talkie-walkie. C'est pas très fantôme vibes tout ça, hein? Un tire-bouchon. Non, ils ont essayé de voler ça. Et là, je rigole plus. Non, je m'en fous des vases, des trucs de valeur. Tu sais ce que ça peut faire ça? Ça peut déboucher plus de 800 bières. Et ça, regarde, c'est quoi? Talkie-walkie. Est-ce qu'ils nous entendaient pas avec ça? Non, mais c'est à dire que là, si on l'a, ils nous entendent plus. On retourne aux caméras parce que là, ils savent plus. Là, on est bien là, on va les coincer. Oh, regarde! Dans la grande chambre! Oh là là, vas-y! Il y a l'alarme! J'ai vu un méchant! Attends, il est peut-être là. Hein. Qu'est-ce que je peux voler? Attends. Y'a pas des chaussures là? C'est pas très fantôme ça? Oh, regarde le petit cul bombé là. C'est un beau cambrioleur. Hein. Bravo, tout de profil Insta. Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est pas sûr que je suis l'homme de ménage. Le ménage n'a pas été fait depuis le 13e siècle. Hein. Exactement, j'ai été envoyé par Clovis. Alors, je vais y aller, je vais vous laisser tranquille. Non, vous allez venir avec nous en fait. Est-ce que vous êtes le seul voleur de la maison? Oui. Répète ou je te goume. Non. Moi, je viens aller en prison, c'est pas le truc. Je vais pas m'énerver. Non. Je vais pas m'énerver! Oh, c'est insupportable. Peut-être qu'il a un complice et du coup, il a libre champ dans la maison. Tu viens avec nous dans la salle de surveillance. Tu sais ce que c'est, toi, de faire de la sécurité tous les jours? Non, du coup, c'est pour ça que je suis plutôt cambrioleur, moi. T'as déjà bossé en sécurité, toi? En vrai, une fois. Et ouais. Je suis tombé sur deux tocards, vraiment des très mauvais. Il y a toujours des tocards. Gros tocards, les gros tocardos. Ta complice, là, ta complice, c'est une fille, c'est un mec? Un veau! Bah oui, c'est une fille. Ah, ouais, ça marche. Oh, j'ai fait peur à quelqu'un? Putain, c'est un rêve de gosse. Franchement, bravo. Posé avec mon gars sur Ayayoui. On n'est pas en prison, nous. Mais vous êtes gardien? Vous êtes rappeur? Un peu les deux. À mi-temps, en fait. Putain, elle est forte, voilà, Camille. Est-ce que vous avez une camomille? Je vais dans la grande chambre. La caméra, elle est juste au-dessus. Faut que je sorte. C'est quoi ça? Tu veux y aller? Vas-y. Oh, yes. Attends, mais il se met bien? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, attendez, ça va, je suis arrêté à un moment donné. Non, mais tu fais quoi? Enlève tes chaussures. Autant pour moi. Tu fais quoi? Remets tes chaussures là. Je suis sous le lit, je passe pas. Pierre, je vais descendre. Si tu vois quelqu'un de musclé et d'impressionnant physiquement, c'est sûrement moi, fais gaffe. Il y a une sorte de fantôme, une sorte de silhouette un peu pâle, un peu trop mince. Comme si c'était un corps qui était mort depuis des années. Bah, en fait, c'est moi, je crois, là. Dans la cuisine, là, c'est moi. T'as l'air trop, Camille. Ok, Pierre, je vais où, là? Guide-moi un peu. Va dans les toilettes hyper flippantes, là. Bah, hors de question, en fait, hein. Je préfère monter avec toi. Hein. Vas-y, c'est là qu'il y a un truc. Dans les toilettes, si c'est bouché, faut bien comprendre que c'était peut-être la personne avant. On croit toujours que c'est celle qui sort en dernier. Ouais. En fait, c'était peut-être la personne qui était avant. Non, mais je tiens à le dire. Je vous accuse que d'un truc, hein. C'est le cambriolage. Et bah, vous avez tort. Écoute, Pierre, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser aller à ma place. C'est moi, je suis un peu. L'horaire, c'est l'horaire, il est bientôt 2h du mat. À ton tour. Oh. Vas-y, fonce, elle est là. La voleuse. On sait que vous êtes en bas. J'y vais discrètement, mais je sais qu'elle est faite comme un rat. Ok, Pierre, vers les toilettes. A priori, il n'y a pas de mouvement. Attends, dans les toilettes, t'es sûr qu'il n'y a pas de mouvement? Parce que moi, je vois une sorte de caca qui flotte encore un peu. Ça, c'est autre chose. On croit souvent que c'est la dernière personne arrivée, c'est celle d'avant. Ouais, non, mais je cherche ailleurs quand même, dans le doute. Attends, je vais tirer la chasse. Wow. Un peu en pierre, que la pierre cuisine. Elle est cachée derrière le comment ça s'appelle pour laver les vêtements là? Mais trouve ton mot. Machine à laver sûrement. Ah. Oh oui, tu l'as, Pierre. Oh oui, je l'ai. Elle est arrêtée, ça y est. Je l'ai en visu. Bah vas-y, dis-lui de se rendre. Enfin, je sais pas, attrape là, fais un truc. C'est ridicule en fait, elle est là. Elle pense que parce qu'elle me voit pas, je la vois pas. C'est bon, Camille, on t'a grillé. Là en fait, si tu la touches, logiquement, tu peux l'arrêter en fait. Lui passer les menottes. Vous êtes sous état d'arrestation? Non. Si. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre la justice. Allez. Mais j'ai rien fait, allez, moi. Allez, monte avec nous, là. Alors, Pierre, as-tu quelqu'un de nouveau? La voleuse. Il y a des gens qui travaillent. Oui, bah ça va. Oh, est-ce qu'on a un plan là-dessus ou pas? Vous êtes arrêté? Tout ce que vous allez dire, bon, on l'entendra.
parce qu'on est à côté en fait. Putain, t'étais obligé de te faire avoir quoi. Ouais. Mais quelle sombre naze. Où est ta cagoule? Est-ce qu'elle ne serait pas ici par hasard? Ah merci, mais tu sais qu'en plus j'ai cherché, c'est ma mère qui l'a faite. T'aurais pas mon sac aussi? Mais si, t'as tout perdu en fait. Et attendez, vous avez réussi à voler combien d'objets? On a eu le guide de Paris, le petit truc à bougie là, le torchis là, le truc de la cuisine, le miroir. On a eu pas mal de choses. On a eu le PQ. Vous avez les pires objets de la maison en fait, il y a des tableaux qui valent 1000 balles et vous prenez du PQ. En temps de confinement, ça coûte très cher mon gars. Moi j'ai des petits objets bonus. Ah, tu t'es fait plaisir. T'es pris quoi? Des Maltesers ici. Trop bien. Comment t'as réussi à voler ici? Je les ai mangés dans différentes cachettes et puis j'ai laissé le sachet sur un lit. Ah oui, forte mais dégueulasse quoi. Tu respectes pas la nature. Deuxième vidéo cambriolage. Pour l'instant, les cambrioleurs n'ont jamais gagné. Eh ouais. C'est très dur d'être cambrioleur. Est-ce qu'on ira un jour sur un volume 3 où les cambrioleurs vont gagner? Est-ce qu'on va réussir à faire gagner les cambrioleurs? À un moment donné, faut y aller. Par contre, moi je veux qu'à chaque fois on change de lieu dans des endroits comme ça qu'on connaît pas. Là, si des gens dans les commentaires ont une maison à cambrioler ou quelque chose comme ça, ça peut être sympa, avec grand plaisir. Si vous en avez marre de tous vos objets de valeur, peut-être nous on peut venir vous délester. Merci beaucoup. Merci Camille, merci Lucas et merci Benjamin. Avec plaisir. D'avoir participé à cette vidéo. Vous avez été des très bons. Non. Vous avez été cambrioleur. Hein. Moi, je sais que j'ai pas été très bon cambrioleur. J'ai du mal à me cacher. Et j'ai peut-être fou rire 2020, voire même. Carrément. Incroyable. Moi, j'étais en larmes de rire. La cagoule à l'entrée. Mais à l'entrée en plus. Mais non, mais c'est imposant. Ça prend trop de place. Il faut se sentir léger pour voler des trucs. Il faut se sentir léger pour voler. C'est beau. C'est beau ça. Ça c'est mon collègue. C'est beau ça. Pourquoi, quand tu m'as renfermé, t'as pas essayé de barrer? Bah, j'ai essayé, j'ai paniqué. Depuis combien de temps? Alright. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous d'avoir participé. On se retrouve bientôt pour un cambrioleur challenge numéro 3. Fin de vidéo, merci à tous. Ciao ciao.